Comment ça va, petit? Pasteur Cooper! C'est pas possible! Les hommes, tout est lié! Mais tout est lié! Mais Pasteur Cooper! Bah, j'entends des gazouilles, mais y'a rien à l'écran. Ah! 6 juin 1966, la femme d'un sénateur donne naissance à un enfant. 6 ans plus tard, tout l'entourage de l'enfant commence à mourir, je pense. On a fait appel à un détective pour enquêter sur ces incidents. À la sortie, la seule chose... Oh, on peut lire ou pas? Le détective était faible et son histoire nuisait à son jugement. Il était facilement influençable et devint rapidement un simple pion dans les plans du garçon. L'enfant fut admis en soins psychiatriques et bientôt, il y eut de nouveau des décès parmi... Parmi quoi? On ne sait pas. Il était déterminé à ce que les événements qui entraînèrent le ravissement se... Qu'est-ce que ça veut rien dire? Dans une ville du nom de Ludlow, la prophétie des 7 trompettes. Il a maintenant obtenu un parchemin doté de 7 sceaux. De nouveaux sceaux marquent cet événement et enfin déclenché l'affrontement final entre le paradis et l'enfer. Alors on retiendra la malédiction des 7 trompettes. Les 7 trompettes. Ah bah déjà, ça se voit que le gamin est pas content. Déjà, t'as vu la tête? Je suis pas content, je sais que j'aurai pas de cadeau de Noël cette année. Enlevez vos mains de lui, qu'est-ce que vous foutez, putain? Wow, du calme les talons, je ne viens faire de mal à personne. Le mec, comment il parle, on dirait une marionnette. Enfin, je devrais peut-être, mais je ne peux pas. Il a l'air si innocent après tout. T'as vu le gars? Il est comme ça. Je te jure, moi, le jour où j'ai un enfant comme ça, je fais, on peut les changer, on peut faire quelque chose. Il y a un contre-remboursement, mais je peux pas. C'est parti. Je bouge des choses. Incroyable. Oh là là, regardez. Alors qu'il est déjà tombé, hein, ça recommence. Super. Le mec est pas du tout choqué, donc je pense vraiment qu'il le connaît des anciens épisodes, parce que le gars, oh cool, c'est commun pour un enfant, c'est commun. C'est vrai que moi je fais ça tous les matins, effectivement. Ouvrir. C'est parti. Qui est ce petit gamin? Vous vous souvenez du fils du sénateur, le fils de Wagner, Lucius? Ah oui, c'est vrai, comment ai-je pu oublier? L'année dernière a été difficile pour nous tous. Je ne peux qu'imaginer ce que vous devez traverser. Je n'ai aucune émotion. Je viens de le récupérer chez Bénédicte. Je pense que c'est mieux pour lui qu'il reste près de sa maison en attendant de lui trouver un meilleur endroit, vous voyez, vu qu'il a cramé la moitié du comté. J'ai une idée. Tu sais ce qu'on pourrait faire, Lucius? Tu pourrais prendre cet appareil photo et jouer au photographe pendant la fête. Te balader et prendre des photos de tout le monde en train de s'amuser. Comment va votre mère, Bunter? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je devrais lui rendre visite, peut-être avec le gosse. Elle va bien, monsieur. Nous allons tous bien. Pourquoi viendriez-vous? Je veux dire qu'elle venait si vous le voulez. Mais elle est malade. Parfois, je veux dire qu'elle a été malade ces derniers temps, donc elle ne pourra probablement pas recevoir. Mais je lui dirai, elle s'énerve parfois, vous savez, j'essaie de rester dans les temps, mais elle s'énerve parfois. Il l'a tué ou quoi? Il l'a buté en fait, c'est ça? Il veut pas qu'on aille la voir. Comment ça va, petit? Pasteur Cooper! C'est pas possible! Les hommes, tout est lié! Mais tout est lié! Pasteur Cooper, qui ira Cooper? The Exorciste, je t'habille en nonne. Mais c'est un fil conducteur. Alors là, mais là, il y a un truc, il se passe quelque chose. Il y a un fil conducteur qui est en train de se créer dans cette aventure. Pasteur Cooper, je vous vois me fixer du regard, êtes-vous au courant de quelque chose? Mais bien évidemment qu'il est au courant de quelque chose. Ça merde dans la paroisse ces derniers temps. Hein. Ils ont dû prendre une nonne et tout pour faire le boulot, ça va pas. Oh non, la lumière, maman, mon père. Il y a des enfants juste ici. Vous savez que la plupart du temps, je n'aime pas les enfants. Et là, vous êtes dans les jeux vidéo, dans les films, ils m'emmerdent. Et je suis sûre que là, ils vont me rejeter. Et moi, je suis pas n'importe qui, moi je suis Lucius. Et moi, Lucius, vous allez voir ce qu'il va faire. Non, Derek, arrête ça, tu lui fais mal, non! C'est des nains? Qu'est-ce qui ne va pas, Sorette? Tu as peur? Peur d'un petit oiseau? Ah, il m'énerve. Non, Derek, t'es en train de le tuer, ne le tue pas! Ah non, pas lui faire de mal. Ah, il est con, il fait la faute. T'es qui, toi? C'est le garçon du manoir. Ses parents sont morts, il les a tués. Il les a bien tués. C'est faux, ils sont morts dans un feu, Dave. Il paraît que son père a tué sa mère avec un pistolet à clous. Oh, je disais que c'était des cons. Ah, puis moi, forcément, je parle pas parce que j'ai pas de répartie. C'est ça, muet de fou. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous balancer?
Non, mais par contre, je vais te cramer ta petite gueule. Oh, le corbeau. Le pauvre. Un corbeau blessé. Ses enfants le torturent. Je devrais peut-être aider cette créature. Ah, voilà, merci. Alors là, ils vont voir la séquence, ils vont pas être bien. Brûle le gosse. Il fait une crise d'épilepsie, mon dieu. Démon. Moi je pensais que j'allais défoncer les gamins et que, en fait je pensais que j'allais pousser l'oiseau. Le pauvre corbeau il a rien demandé, mais il est con lui. Les corbeaux ils sont cool, sérieux. On peut aller ici? Ça serait chez qui ça potentiellement? T'as le temps de rien regarder hein. Il t'enlève comme ça le papier et fait donne-moi ça. C'est la maison des Freeman, nos voisins les plus proches. Je pense qu'il est important de bien s'entendre avec eux. Ce sont des gens qui aiment les potins et se mêlent des affaires des autres. En plus de tout ça, ils sont très croyants. Il vaut mieux leur rendre visite que les avoir constamment à notre porte. Ah, c'est elle, d'accord. Elle est contente, elle a plié les genoux, ça. Ça, quand tu plies les genoux, ça veut dire que t'es content. Entrez donc, détective. Je vous ai vu venir à des kilomètres. J'étais en train de cuisiner. Mais c'est bien que vous ayez emmené le petit avec vous. Je suis sûre qu'ils s'entendront très bien. J'ai le droit de les défoncer? Un magazine sûrement destiné aux jeunes filles. Il est rose vif et il contient essentiellement des photos de jeunes garçons. Un magazine sûrement destiné aux jeunes filles, les roses vives, et contient seulement de... Mais encore? Mais qu'est-ce que c'est pas possible. Purée, mais qu'est-ce qui se passe? On a trois portes qui s'offrent à nous. On va aller déjà sur la première. Ah oh bah, il y a le monsieur. Un magazine sûrement destiné aux jeunes filles, les roses vives, et contient seulement des photos de... Là, par contre, ça vient... Là, c'est pédophile. Là. Les garçons ont dû l'oublier ici. Ils devraient vraiment apprendre à ramasser leurs affaires. Le sol de cette maison est couvert de magazines pour adolescents. Il s'adresse certainement à des filles adolescentes, voire plus jeunes. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Monsieur Freeman. Ouh, l'enquête. J'enquête, les amis. Kiki enquête, je vous le dis. Elle enquête, Kiki, vous inquiétez pas, elle est sur le coup. Je veux pas porter de fausses accusations, mais c'est chelou, là. Une trappe. J'ai trouvé des planches étranges solidement clouées, je n'arrive pas à les déclouer. Même avec mes pouvoirs, il me faut quelque chose de plus solide. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, l'enquête. Sauf que ça ne se situe absolument pas dans la maison. Et il faut que j'aille quelque part d'autre et que je revienne ici par la suite. On va aller voir si maintenant il y a une nouvelle interaction, un nouveau truc. Oh, il se passe quelque chose. Wow. Eh bien, bonjour, qui avons-nous là? J'étais en train d'écrire une lettre pour le travail, voiture. Comment ça va? Tu as l'air, comment dire, délicat. Oui, comment ça se passe avec mes garçons? S'ils se montrent agressifs, il faut me le dire, je m'en chargerai. Nous envisageons de construire une piscine à côté de la maison. J'aimerais beaucoup te voir y nager un jour. Tu aimes nager? C'est malsain de ouf. Lui, c'est obligé. Faut le cramer, ce mec. Il écrivait dans son bureau. Il a de drôles de goûts en matière de magazine. Il aime également se tenir très près de moi lorsqu'il parle. Ça ne me plaît pas du tout. Clairement un pervers. Clairement un pervers. On dirait que Jack est déjà parti. Je devrais aussi y aller. Mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, dans le... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Monsieur? Mais c'est une taupe, le gars. C'est un flamant rose. Bonjour, détective. C'est un plaisir de vous revoir, détective. C'est bugué. Vu que le gars, il était là-bas, il est plus sur la cinématique, du coup. Il est pas du... Cuisinière, un détecteur de fumée. C'est parti. Et bim! Et bam! Je vais cramer des trucs. C'est pas bien, là. J'ai rien de foutre le feu, là. Bon, ça prend très vite, hein. Je sais pas en quoi elle est faite, la baraque, mais... Oh, chaud, ça crame. Ça y est, ça prend. C'est en train de cramer, ça prend, les amis, ça prend. Maintenant, je peux peut-être retourner les croix. Si le maire, il vient chez lui, là. Voilà, du coup, il va quitter son chez lui. Et là, je pourrais peut-être...
I'll be right ok, there. Et là, je pourrais peut-être maintenant aller à la mairie et retourner les croix. Yes, il est plus là. Vite. Hello, son. Ah! Salut, ça va? Je sais pas. Oh putain! Ça y est! Ça y est! Père Michel! Père Benoît! Ça y est! Oh le petit! C'est coton avec lui, hein. Ah! Oh merde! Oh merde! Ah, oh, ça va, c'est pas très gore. Je m'attendais à un truc très gore et tout. Ça va, en fait, il le soulève juste. Il lui marque je sais pas quoi. Bon, gore un peu, d'accord, ok. Un peu, effectivement. Bon, j'ai rien dit. What? Eh, faut pas l'embêter, le petit, hein. Oh là, oh là, oh là, je suis activé. Ta-ta-ti, ta-ti. Ah bah il y a une bonne ambiance. Ah bah je sais, ouais. C'est dégueulasse. Ah, j'en ai la chair de poule. Comment l'as-tu mis là-haut? J'imagine que tu... que vous avez vos secrets, j'espère juste que personne n'a rien vu. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible.